Restez à l'écart, compris? Ne venez pas ici. Quoi que vous entendiez, restez à l'écart. John Doe à l'écart, Tom. Mills! Voilà qui revient. Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo d'Amine et Hugo. Et aujourd'hui, c'est un grand jour. J'attendais ce moment avec impatience depuis tellement longtemps. On va écouter le nouvel album de celui que j'appelle et que je continuerai à appeler, même sur mon lit de mort, le meilleur rappeur blanc français, puis peut-être maintenant dans le monde. Vas-y, calme-toi. Le nouvel album de Vald, The. Alors avant qu'on se lance dans l'explication de tout ce qui s'est passé autour de l'album, parce qu'il s'est passé beaucoup de choses hein, ouais, avant que ça sorte, on va vous parler pour la culture sportive d'une application qui s'appelle OneFootball. Alors c'est une application qui compte quand même 10 millions d'utilisateurs. Ah, quand même. Donc là on est sur du multidisque de diamant, de platine, tout ce que tu veux. La note, la moyenne de la note sur 5, 4,7. Donc quand même on est sur une application qui est très bien notée. Toi qui suis le football, c'est une bonne note pour une application moi, de football. J'ai été voir l'application, je peux vous dire que vous pouvez y aller les yeux fermés. Voilà, alors rapidement comment ça se passe lorsque vous téléchargez l'application. Tout de suite on est dans la personnalisation. C'est-à-dire que tu choisis ta team. D'accord. Toi tu choisis qui? Paris. Paris évidemment. Allez, bah, c'est le premier. Voilà. Et en deuxième il y avait qui? La Marseille. Voilà. Donc tu choisis Paris et là qu'est-ce qui se passe? Tu as toutes les compétitions possibles et inimaginables pour lesquels Paris peut participer, mais aussi d'autres. Donc tu peux après... Il y en a qui n'ont pas la chance de participer à la Ligue des Champions. Voilà. Par exemple Marseille. Et du coup, tu choisis les compétitions que tu vas voir sur l'application. Donc il y a tout, vraiment, ça part de la Champions League, de Trophée des Champions, jusque, je crois, t'as même les championnats nationaux du Kurdistan, tu vois. Genre, si tu veux suivre les mecs là-bas, tu peux. Et après... T'as du coup les onglets habituels, les actualités, ce qui se passe en ce moment, les matchs en direct au niveau des statistiques, les transferts, tout. Après donc t'as des onglets qui sont spécifiques par rapport à la team que t'as choisi, ou bien tu peux regarder un peu ce qui se passe dans la globalité des équipes. T'as évidemment à quelle heure passent les matchs, comme ça si t'es dehors, t'as une petite notification. Donc tu rentres chez toi pour regarder le game, ou tu demandes à quelqu'un de l'enregistrer. T'as les transferts, comme ça t'es au courant de tout ce qui se passe. Donc franchement, pour ceux qui sont fans de football, l'application est complète. Comme Vald, c'est un artiste complet, l'application est complète. Donc allez checker OneFootball, de toute façon vous verrez les liens dans la description, il n'y a aucun souci avec ça. Maintenant, le cœur du sujet de cette vidéo, Vald. Explique-nous un peu là, tout le tralala autour. Bah déjà, on va parler quand même de l'année dernière qui a été tonitruante pour Vald, qui a sorti Agartha, qui a été certifié disque de platine, donc pour lui c'est un step-up énorme par rapport à LMQNT2. Donc voilà, il a eu une grosse année, il a sorti son projet, il a eu une énorme tournée, c'est un mec qui a été sur pas mal d'albums, on pense à celui de Kalash Criminel, au Yoki, il a lâché pas mal de freestyle. Là, on a reçu le soi-disant NQNT3, donc ça a leaké volontairement hein, une go qui s'appelle Léa qui est avec nous actuellement. Voilà, donc c'est un... D'ailleurs, Fatboy Q est en train de se rapprocher de Léa depuis tout à l'heure. Ouais, là, je sens qu'il y a un feeling. Yeah. Il se passe une chose. Oh, c'est mon style. Voilà, la mixtape, bon, c'est en fait des sons qui n'ont pas été retenus pour Xe. Donc t'as des sons comme par exemple Berflamme. Je m'en bats les couilles gros, je dis Berflamme parce que c'est trop le feu. D'ailleurs on va se le mettre dans pas longtemps là pour chauffer. On a Pentac les bougies. Pour la paix y'a 2-3 fiches de pute qui font du cry. J'écris les textes du prochain album sur mon Sinai. On a aussi la version bêta de Désaccordé qui s'appelle Accordé. Donc voilà, c'est des sons qui sont pas retenus, qui sont pas mixés, mais qui font quand même plaisir à la fanbase. Pourquoi? Parce que voilà, c'est un petit peu intégrer le processus d'enregistrement de Vald pour cet album Xe, du coup qui est son deuxième album studio.
Donc il sort pratiquement jour pour jour, un an après Agartha. Exactement. Alors LQNT 3 entre guillemets, ouais. Quels sont tes highlights dessus? Ah bah, Berflamme, Pentacle et Bougie, j'ai bien aimé aussi le son Sombre Soirée, qui est vraiment une grosse ambiance. Surtout que ça enchaîne juste après Berflamme. Vache, et il y a le son Barracuda, il a un flow dessus, mais combien tu as de poumons mon ami, c'est incroyable. Moi je rajouterais Jean-Père. Ah oui. Avec le sac sur la... Oh là 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 là, comment il pose dessus, ouais, c'est ouais. Incroyable. Et Maya. Ah oui, oui. Oh là là, j'ai me tatoué des hiéroglyphes Maya, j'ai mis pause, j'ai posé mon portable, j'ai regardé au loin. Non mais même, on a envie de dire quand même que même un projet non mixé de Val est quand même meilleur que 90% des trucs qui sortent par exemple. Non, je n'ai pas envie d'être en conflit avec qui que ce soit. Donc voilà, le jeune loup du 93 revient. Eh hey mec, là, il faut qu'on s'écoute Berflamme. Ouais. On s'écoute Berflamme. Tu l'as? Ouais. Est-ce que t'es connecté du coup? Ah, on n'a pas parlé des feats. Sûr. Des bah, prods. Des prods, des feats, ah ouais. Au niveau de la production, et oui, il faut qu'on parle aussi de la pochette qui est entièrement blanche. Immaculée. Adieu. Voilà. Ah oui, forcément. Voilà, immaculé, ça fait penser à Agartha aussi quand il disait blanc comme Dieu, voilà. Etc. Exact. Donc Xe, le titre. Xe, en fait, il y a plusieurs interprétations. C'est soit Xe, donc X-E-U, soit Dieu, donc 10. Le X du chiffre romain qui veut dire 10. Et ensuite t'as E-U, donc Dieu. Ou alors Xe, mais genre les Xe en mode ecstasy pour les plus drogués quoi. Chacun a son interprétation, pour chacun, moi ce sera Xe. Chacun voit midi à sa porte. Voilà. Ouais. Et du coup au niveau de la production, donc on a un projet pratiquement entièrement produit par Sizi, qui a produit énormément sur Agartha, on a Trophée, Vitrine, pardon, Trophée aussi, il a produit. On a le dernier verre. Eurotrap aussi. Eurotrap de Sizi. Donc là voilà, il est sur 15 morceaux, donc Sizi, et on a donc Au Background, c'est ça? Si je me trompe pas. Au Background, et le deuxième c'est Sirius, qui est aussi en featuring. Ouais. D'ailleurs on a plusieurs featuring sur cet album, on a Sofiane. Il y a Suicon Blasadé. Suicon Blasadé et Sirius. Je crois que j'en oublie un. Hein. Non. Oh non. Oh ouais. Voilà. Donc bon Sofiane, voilà, et qui est encore sur un album. Après bon la connexion elle est. Mais oui, elle est logique. Là on l'attend en mode Energizer, tu vois. Ouais. Genre il sort du banc, vas-y, faites tout frère. Clairement. Donc, Berflamme. Vas-y, balance une Berflamme. Allez, c'est parti. Tu penses que tu viens d'être sur un boule. Tu es flambeau, j'ai le démon. J'en prends pour j'ai le démon. En même temps, je suis dans le démon. La tête entre deux tétons. Toujours un œil sur les cons. Toujours une main sur les couilles. Les frères refraient bon les cons. Pas bon, et les autres comptent mes couilles. Plus de selfie, plus de temps. Je peux voir rouiller sur le banc. J'en veux pas trop justement. Tu peux me sucer juste le blanc. Instinctivement, je le sens. Ça étouffe sur le banc. Des experts en magie noire. Essaie d'arrêter mes balles. Trouve tout à haut Paris Nord. Nique sa mère, ça te l'éléal. Bon, ça c'est un classique. Let's fucking go. Je pense à ta mine, j'essaye vers moi, ta mine, cherche mine. Je t'attends la gorge, pas la cheville. Je t'en dis ma vexe, ma cheville.
Est-ce que tu te souviens quand on avait fait l'écoute de Désaccordé où j'avais dit que si le son, le premier son, ouais, n'était pas un. Que j'avais posé alors, c'est un classique, ouais, ou pas? J'avais dit si le son dès le début n'est pas un classique, je n'écoute pas l'album. Et bah je peux vous le dire que je vais me l'écouter jusqu'au bout ce putain d'album. Parce que mec, c'est. Mec. Waouh. Quelle entrée en matière. Moi franchement après je. C'est vrai que Val, je le suis depuis Agartha, clairement. De toute façon on l'avait dit à l'écoute d'Agartha, ouais, j'avais vraiment enfin, découvert avec ça et tout. Et ah, mais je me suis quand même penché sur ce qu'il a fait avant et moi personnellement, après les aficionados, ceux qui le suivent depuis le début pourront confirmer ou pas, moi j'ai jamais entendu poser de cette manière là. Non, bah non. Mec là il non, a c'est un nouveau flow. Là il a une technique. Genre là, il est plus du tout dans les flows trap techniques, là il est sur de la technique pure et simple. Et mec, c'est 2 minutes 53 où il s'arrête pas avec les variations dans l'instru. Et puis en plus il est toujours dans ses petites références avec la CIA, avec les anciennes civilisations, tu vois. Donc du coup t'as vraiment toi toutes ces images, toute cette ambiance qui te met cette atmosphère. Mec c'était là c'est bon, hein. En 2 minutes je suis rentré dans son projet et les deux pieds dedans frère. Oh c'est la folie, l'instru l'instru genre j'aime trop ces bails vertigineux tu vois. Comment il pose dessus mec, il laisse aucune chance à l'instru de respirer en fait. Et pourtant c'est l'instru qui donne le tempo, mais lui il arrive à combler en fait les rythmiques. Il est incroyable, il y a du contre-temps, il y a du double temps et du. Enfin t'as l'impression que c'est un son d'agent secret gros. La tête de ma mère, ouais, gros, t'entends ça, t'attends. Et je voulais faire la comparaison avec un son qui voulait avoir le même effet, mais pour moi ça a été loupé gros. Enfin, vous avez tous haussé les yeux. Frère, tu vois, le son programmé de Nekfeu, il a voulu faire exactement ce style. Tu te rappelles pas où il fait le futur là? Toutes les négations de volonté, Ouais, sur Cyborg. Mais gros, mais tu vois, mais c'est comme ça qu'il faut rapper là-dessus, sur ce genre d'instru, gros. C'est pas redondant, lazy. Et là, franchement, j'avoue, Val, il apporte plus-value à l'instru, gros. Franchement, top. On rentre vraiment sur des chapeaux de roue, ça commence vraiment très très fort, putain. C'est bon ? C'est bon. On peut y aller. Donc deuxième son. Seum. Tu peux nous donner une définition du seum ? Qu'est-ce que le seum ? Vas-y mec, vas-y balance. Oui, de la couche, t'as un dico frère. Il en venin un petit peu. Hein ? Je veux dire venin un petit peu, ça arrête de base. Ah, je voulais m'exposer, donc je l'ai. Amen. J'aimerais donc faire la paix avec toi, avec moi. Ouais, mais non, amène-moi. Me laisse-toi passer l'espace. Ensuite, toi, tu es non. Je sors même de ta mère. Mes ordres, la même merde. Mais pourtant, tu m'agresses. Je vais faire trop pour la crèche. Je vais pas pour la tresse de mon pied. Pour la terre, quand je sors de la messe, on dira dans la presse que c'est à cause de la haine. Qu'est-ce que c'est dur de faire un morceau comme ça sans tomber dans le ridicule. Mais mec, mais il est trop fort, gros. C'est quoi cette ambiance guerrière? C'est franchement gros, c'est au borderline du métal. En fait ça me fait penser un peu à ce que Bifty peut faire, hein. Tu vois, ces grosses ambiances bien grasses. Mais en fait tu vois la voix qu'il prend, c'est la même voix que des fois il prend sur plus haut, tu vois. Genre un peu très grossière. Il comble bien bien sa voix, tu vois, il la porte bien. Et du coup c'est ce qu'on avait commencé à parler de ça
tu sais, avec trophée, père flamme et... Ouais putain vas-y tu vas rentré dans la culture. C'est rentré dans la culture. Et on avait dit le step up c'est ses vocales. Rappelle-toi quand il était revenu avec, avec trophée on avait dit oulala au niveau des vocales il a step up son game. Intonation, Ro, il a les. Il a franchement Ro c'est un des artistes qui a les meilleures variations de voix. Tu vois ses intonations. Et là t'as pas l'impression que c'est Val qui rappe, tu vois. C'est un Val possédé, démoniaque. Tu balances ça en deuxième. Non mais moi pour moi je t'explique là ce que je viens d'entendre c'est du rap nazi démoniaque. Voilà comment tu vas. Calme. Sortir ton nazi. Non mais les gars on l'a refait. Non mais c'est dans, en fait la violence, le son est méchant. En fait c'est plus dans la méchanceté du son tu vois. Il y a d'autres trucs méchants que les nazis. Bah les nazis c'est les plus méchants. Ouais mais... Voilà. C'est la fin de la chaîne. Mais le mec, genre franchement, ce son... En fait, j'ai l'impression... Il a mis... Il a posé depuis le premier son une ambiance extrêmement horreur. Bresson. C'est Bresson de ouf. Et tu sais, c'est limite... tu peux le voir, genre, performer ses sons dans des petites ruelles la nuit, à courser des meufs pour les égorger ou je sais pas quoi, tu vois. Non mais c'est vrai, gros. C'est ça. Non mais c'est ça, et c'est pour ça. C'est Michael Myers. Voilà, et c'est pour ça que oui, effectivement, il aime pas quand on fait la comparaison avec Eminem. Mais c'est là où elle est faite. Mais quand t'entends ce genre d'atmosphère, tu penses à Relapse. Ouais. Je sais pas si tu connais. Voilà, tu penses à ce genre d'atmosphère, horror, thriller. Et c'est pas parce qu'il est blanc, on s'en bat les couilles qu'il soit blanc, tu vois. C'est parce que c'est Eminem qui a fait un album comme ça. Et c'est là où on a cette. Il y en a d'autres qui en ont fait, tu te rappelles de Necro qui était sur de l'horror core, tu vois. Ou parfois aussi Tech9, t'as Cage. Mec, y a d'autres rappeurs après que Eminem, mais c'est vrai que bon, Eminem est vu, il est tellement populaire qu'on fait le lien tout de suite avec lui. Bien sûr. Et Sizi, Mais mec, Sizi, gros, c'est quoi c'est ça en fait. C'est production. C'est ça en fait, parce que Sizi, je sais pas, j'avais pas trop l'habitude de l'entendre sur des bangers aussi sombres. Des verrouillages. Ouais. Attends, en live, gros. Bah, oh là là, en live. Il sera en live, de toute façon concert, là je te dis, hein. On a raté à Yarta, on ratera pas de jeu. Ah oui voilà. J'ai trop aimé le premier son gros. Ouais. Prochain son, Flou Agent Secret. DQTP. Je sais pas ce que ça veut dire. De quoi tu me parles? De quoi tu me parles? Non, de quoi tu parles? De quoi tu parles? De quoi tu parles? Mec, je vais commencer à péter les plombs. Wesh, c'est quoi ça? Mec, c'est un film d'horreur. Ça va être l'album rap le plus sombre de la décennie. Moi, jamais je l'écoute le soir tout seul chez moi. On va fermer les rideaux. Allez, gros, c'est un film d'horreur, vas-y. Bâtard, si t'es dans le sillon, je peux dévier ma mission. Toujours la même ambition. Depuis, pose ma carte mission. Et tu rentres dans le château de Bowser, frère. Je te jure, tu rentres dans le château de Bowser avec les sons de Thomas. Mec, je pense à tous ceux qui ont aimé Agartha avec Selfie. Vous êtes archi pas prêts, les gars. Mon père, c'est vraiment mal, là. Non, mais par contre, il y a juste un truc qui est ouf. C'est, je sais pas si vous remarquez, les sons sont pas très longs. Hein. Ouais. Et je trouve que c'est un très très bon format, c'est une très bonne idée qu'il a eu de faire des sons pas très longs sur ce genre d'instru. Parce que c'est vrai qu'après, si c'est des sons de 4 minutes, ça pourrait devenir trop redondant, tu vois. Ouais. Là, c'est 2 minutes 50, tu prends ça dans la gueule, frère. Ouais. Et... Gros mais intense. Ouais, il y a des cadavres partout, là. Non, mais... la manière dont il pose, c'est... Les prods de Sizi, elles sont dingues. Mais...
En fait, tu vois, il est sublime. Tu vois l'alchimie. Ouais, l'alchimie du producteur et du rappeur. Bon. Il est possédé par l'instru. Mec, de ouf, en fait, il te donne de l'énergie, tu vois. Mais mec, c'est encore une fois, c'est comme de Eminem sur Village. Ouais, ouais, non, franchement, bon, il y a une alchimie de malade. Bon. Incroyable. Mais c'est. Putain, mais je sais plus quoi dire. Je vais juste passer au prochain son. Ils se connaissent pas. On passe au prochain son. Possédé. Ça te dit? Attends, non. Attends, respecte. Non, mais ben, véritablement, c'est compliqué, tu vois, parce qu'on n'a pas les trucs, tu vois. Mais gros, il y a la phase avant le deuxième refrain où il monte. Ouais, quand il monte en crescendo avec un rythme, genre le même rythme. Ouais! Ouais! Tu veux fouiller le rap français ou c'est comment, gros? Mais tu vois, ce que j'aime bien, c'est que là, tu sens que la sortie de cet album, c'est aucunement une opportunité stratégique ou commerciale. Ah, de ouf! Tu sens que le mec, il a senti qu'il avait fait un bête de truc et il a dit: bon, bah, ni sa mère, ça fait qu'un an, mais c'est pas grave, je le balance, tu vois. Ouais, 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 je suis totalement d'accord avec toi parce qu'il aurait très bien pu se dire: ah, maintenant que j'ai plus de monde qui m'écoute, je peux faire encore quelque chose de plus vaste. Ouais. Bah, non! Ouais. Pour l'instant, on est dans les entrailles! Mais là, on est au troisième son, il a encore plus restreint son univers musical. Ouais, clairement, regarde ça, tu vois. Après, on va voir la suite. Mais ce qui est ouf, c'est, mec, j'ai l'impression qu'il s'est passé au niveau de sa technique, de son flow, de la maîtrise de sa voix et tout. J'ai l'impression qu'il y a 5 ans entre Agartha et Exo. J'ai vraiment l'impression qu'il y a 5 ans qu'ils sont collés. J'ai l'impression qu'il est parti dans la salle d'esprit du temps. Il est resté un an, ça a fait un jour ici, tu vois. Non, mais DBZ. Sur ça. Surtout maintenant, il ajoute de l'interprétation, gros. Ouais. C'est que maintenant, c'est même plus Val, gros. C'est. Personnage. C'est un personnage. Mon prochain son, Possédé. Oh. Satan! Je vais pas des rétro Satan. Je crois que j'ai écouté l'album avec un coran. On va se passer en plus cette histoire. Allez. Let's go, Possédé. Oh, un peu de couleur. On va pouvoir respirer un petit peu. Oh oui, j'adore ces mélodies. Alors, bon, un son magistral. Moi, ce que j'ai aimé, c'est la contradiction entre le thème du son et la production. Et la production. Parce qu'en fait, il y a un contraste de malade. Si tu écoutes juste la prod, bah, tu te dis il va te faire un son ensoleillé, un son coloré et tout. Et même, tu vois, il chante et au final, bah, il dit que le malin me possède. Belzébuth. Belzébuth. Enfin bref, on connaît. Et ça, je trouve que c'est vraiment bien fait. Mais... ça te donne une. En fait, ça te donne deux différentes. Dès la première écoute du son, ça te donne deux lectures différentes. Et c'est ça qui est ouf. Alors que normalement, les lectures différentes sur un son, elles arrivent sur la deuxième, troisième écoute, tu commences à capter des trucs. Mais là, vu que le contraste, il est bien marqué, dès la première écoute du son, t'es là en mode, putain, mon cerveau, il va à gauche ou à droite. Genre là, genre je m'enjaille ou je me dis, le mec, il est en train de dire, je suis possédé. Ouais, ouais. Tu vois. En plus, avec la référence d'ODB, alors là, je suis désolé, on vous met une minute. Des classiques moments d'interview d'ODB. Being a young black female and also a teen mother, what do you guys do to give back to the community? Also directed mostly towards ODB. I know Praz and the Fugees do things for the community, but what is going to be your theme for the community? Nothing. I show my welfare card out here. And I get my money. Going to cash the welfare check, and I know it sounds like an episode of Good Times, but it ain't. Come on. Let's go get this damn money. Damn food stamp. Sequin, get the money. And
food since yesterday, man. I'm tired of this. You only give us $375. It's all. It's not illegal. It's legal. It's legal money, man. Get that money. Jesus, what you doing, Jesus? Working on album. Yeah, yeah. Looking for new girls to put babies in. Alright. If you need a strong hand, I rap what I sing, man. To guide you through the night. And I don't know how to sing. Par contre, genre juste au début quand il dit rapport jamais protégé. Non. Non, non, ne l'écoutez pas. Ne l'écoutez pas les gars. Mais d'ailleurs, c'est en fait, c'est Belzébuth qui parle. Ouais, mais c'est ça. Ce qu'il faut dire, c'est que c'est pas Val qui parle, c'est Belzébuth. Parce que c'est, comment dire, c'est... Il est possédé, tu vois. C'est entraînant, en fait. Ouais. Tu vois, c'est comme le diable, en fait, c'est ça. C'est pour ça que c'est aussi... Le contraste, il est aussi... Au début aussi, le contraste, les sons sont très très sombres et tu vois pourtant la pochette elle est blanche, tu vois. Ouais, vois, ça va être vrai sur le reste de l'album, mais pour l'instant, est-ce il se joue de ça, j'ai l'impression, tu vois. Et c'est intéressant. Là, bah, on a pris des hauteurs, ça fait du bien un petit peu. Ouais, ça fait du bien. Après, tu vois, moi ça me fait penser à ce qu'il a fait sur Agartha, genre dernier vers, tu vois. Et il maîtrise archi bien le flow chanté, auto-tuné. D'ailleurs, il le dose parfaitement. Et il sait faire maintenant des singles, tu vois, ça peut être un single comme les désaccordés, tu vois. Donc non, là, en fait, il a atteint pour moi le cap de l'artiste, ça y est, tu vois. C'est plus le rappeur de NQNT2 qui fait des mixtapes. Maintenant, c'est des albums, je l'ai dit, il n'y aura que des albums. Ouais, il a raison, hein. En même temps, vu la qualité qu'il fait, il va pas sortir ça en mixtape, en gros, qui ça, bah... Juste là, c'est un truc de ouf, l'évolution du mec, quoi. Ouais, je t'ai dit, mec, c'est l'esprit du temps. Mec, il est parti dans la salle de l'esprit du temps avec Wiz, frère. Tout chaud, fini. C'est quoi le prochain? Le prochain son, c'est Je sais pas qui je suis. Aligné, personne t'es habillé. Ils veulent tous mourir, ils demandent pourquoi toi t'es habillé. Comment roulons tes parfums? Et puis c'est parti. Par tout ce que j'aime, j'aimais du shit à nos yeux. Plus qu'il se suicide pour ce que. Au niveau technique, on est où là? Mec, c'est... En fait, faut étudier cette merde, tu vois. Ouais, parce que là, tu sens qu'au niveau des rimes, on au niveau des phases... On n'a pas encore les paroles. C'est extrêmement travaillé, tu vois. Trop. Mais c'est au niveau de sa performance, ça fait penser à quoi? Vous vous souvenez du film Split? Ouais. Quand le mec, il passe en mode complètement sauvage. Ouais, le ouf, gros. Grosse respiration. Mais c'est Split, ce mec, c'est gros. Animal. C'est sur des accordés, gros. Il prend plein de personnalités, gros, ouais, dans le clip. Et ah oui, et l'instru qui fait grave penser à ce que Thérapie pouvait faire avec Caris à l'époque, gros. Et c'est archi lourd, parce que la trappe de Thérapie, oh, bah, c'est une trappe qui est indémodable. Et mais wow, voilà. Franchement, gros, c'est trop sale. Putain. C'était quoi le nom du son? Ah, c'était quoi le nom du son? Je sais pas qui j'ai. Beaucoup de références à Dieu. Franchement, beaucoup de références c'est à Dieu. Le début, c'est ça? Ah oui, putain, il a fait sur ça. Mon Dieu. Je sais pas qui je suis. Hein? Apparemment, les gens se sont appropriés comme si c'était une référence à Damso. Parce que dans le track 5, dans Ipséité. Ah, qui es-tu? Ah, la maman, c'est écrit? Ouais, un truc comme ça, je crois qui es-tu. Et lui, il a dit, je sais pas qui je suis. Ah, parce que regarde comment c'est écrit en fait. Ouais, c'est attaché pas avec Ali. Hein, ah, ouais, c'est un bon challenge. Ouais. Peut-être, hein, je sais pas. Après aussi dans le sens où genre ça devient je sais pas qui je suis, genre c'est une bête. Ouais. Mais oui, non mais en plus il fait très bestial, mais c'est ça gros. C'est ça avec respiration. C'est il fait très bestial, tu vois, tu l'entends, genre il est essoufflé. Ouais, c'est ça, c'est un animal. Wesh. Mec, c'est un film, gros. Bref, next. Quel artiste. Prochain son, Résidu. Mec, c'est juste après le combat. Moi je me suis allé. C'est un test pour mon calorie. C'est un test pour mon calorie. C'est un test pour mon calorie.
quand je reste. Bénis sa mère, il n'est pas la même quand je reste. Demande au ciel la recette pour faire tant de pèse. La recette pour faire jouer sans même un je t'aime. C'est malheureux, je suis jamais le même, à part quand je pèse. Je suis malheureux, je sais qu'elle m'aime, même quand je t'aime. Salope, tu vas sans repère, salope, tu vas sans le faire. Salope, tu basses ton reflet, salope, tu casses ton frais. Salope, pour toi c'est l'enfer, salope, cette fois c'est la terre. Salope, pour toi trop de trêve, salope, pourquoi pas de trêve. Salope, j'ai l'air du rime et j'suis pour l'amour. Quoi le pouvoir quand le président c'est la plus grande salope du pays. Non mais la Belgique pays quand je... Ah, il est trop fort. Ça, franchement, vas-y, c'est n'importe quoi. C'est l'album parfait pour l'instant. Il y a zéro défaut. Flawless. Zéro défaut. Plafond de glace, les haines de banlieusards. J'agis comme vous les arts. La glace sur ton départ. Ouais, non, mais déjà, ce sample, il est incroyable, mec. Sizi, là, il est en train de montrer toute la palette artistique qu'il comporte. Il peut faire de l'aurore, il peut faire des sons tristes. Peut faire des sons mélodieux. Là, le sample égyptien antique là, qui plonge une ambiance. Et mec, ce son pour moi, c'est un classique, gros. Je m'en bats les couilles, gros. Il parle d'une rupture avec une meuf et il parle aussi des gosses qu'il aurait pu avoir avec elle. Qu'est-ce qu'on va faire avec les gosses, hein. Et mec, c'est bon, gros. C'est touchant de malade, gros. Il peut en fait te faire passer des émotions d'une minute à l'autre. Et c'est ça. Où Eminem était fort, gros. Il peut te balancer un king comme un bitch flip juste après, gros. Et c'est là où Val il ressemble à M. Non mais mec, en fait ce qui se passe là c'est que... Mec, c'est bon. Tu vois, ce qui est lourd aussi, c'est qu'au niveau des paroles, c'est... Je mets entre guillemets, mais c'était un peu conscient, tu vois. Ah oui. Il y avait un message, mais putain, il a réussi à amener ça sans être lourd. Tu vois, sans être corny, sans être moralisateur. En plus la référence à Yves Bassem, tu vois, donc ça te fait sourire. Ouais, ça te fait en fait, tu vois, c'est un son super triste, mais il y a un petit... Il arrive à te faire sourire quand même. Mec, c'est trop fort de faire ça, gros. Ce mec, il est devenu un artiste. Il a des highlights maintenant dans ses musiques, gros. C'est ça, tu sais, quand il dit, ouais, salope, et toi, je crois qu'il pleure. Ouais, c'est un crescendo. Crescendo, c'est incroyable. Non mais c'est gros, c'est level Eminem, gros, dans l'interprétation, je suis désolé, gros. De l'acting. C'est de l'acting, gros. Ouais. Et Kendrick Lamar aussi. Et Kendrick, ouais, qui s'est inspiré d'elle. Ouais. Et c'est vrai, ouais, que dans le paysage du rap français, moi j'ai rarement entendu un mec qui arrive à faire passer des émotions comme ça. Là, ça, franchement, ça devient... Waouh. Oh là. Toi, tu... Oh là. Oula. Allez, gros, déjà, ça arrive déjà faible, là. Vas-y. Déjà, on est déjà pas bien. Bon, mec, prochain j'ai plus d'énergie pour le foot. Eh, j'ai dit bonjour! Ah, c'est enfin! Eh, oh, je suis... Incroyable. Pourquoi déjà la contextualisation du son avec l'intro au début, le fan qui lui casse les couilles, genre il le bute et tout. Mais c'est ça qui est fort, c'est bête,
c'est pas compliqué à faire, mais au moins ça te met dans une ambiance et directement tu visualises le truc. C'est un son, t'as même pas besoin qu'il fasse un clip. Le clip, tu le fais dans ta tête avec la manière dont il t'introduit la musique, tu vois. Et c'est ça qui est fort et ça qui est chaud, archi chaud depuis le début. Depuis le début de cet album, c'est visuel. C'est un album qui est putain visuel et il a maîtrisé cette forme en fait de faire de la musique. Qui est assez compliqué, tu vois. Et puis en plus, encore une fois, c'est un son qui est archi hard, mais vas-y, il arrive à nous faire rire malgré tout, tu vois. Des grosses ressemblances avec Booba au niveau du flow. Genre, ça, c'est Booba, gros, pour trouver le morceau. Mais il maîtrise ça d'une manière. En fait, il arrive vraiment à prendre ce que Booba peut faire, mais à le rendre démoniaque, tu vois. Et ça colle parfaitement à l'ambiance du son. Après, c'est vrai que du coup, pour le coup là, tu vois, je pense que ce son, c'est celui que je préfère le moins pour l'instant. Okay. Mais il est lourd, hein, tu vois. En même temps, ce qu'il y a eu avant. Mais en fait, ouais, c'était un petit peu moins peaufiné que auparavant. Mais j'avoue que la contextualisation avec le fan et tout, c'est lourd. C'est archi lourd. C'est lourd. En plus, je m'attendais archi pas à ce qu'il lui tire dessus. Ouais. Moi, je pensais que ça allait être. On s'est tous regardé. Moi, je pensais que ça allait être en mode, il allait l'insulter à la limite. Ouais. Il ne casse pas les couilles. Non, frère, il a sorti le flingue, one shot. En fait, en gros, c'est genre le Val de bonjour, ça y est, il est mort. Ouais, ouais. C'est plus ça. C'est. Non, mais. Les gens, ils restent encore dessus, tu vois. Il aime bien ce décalage aussi avec les fans, oui, ouais. Il en parle souvent. Il dit ouais, j'aime bien parce que je les rencontre, mais j'arrive pas à partager le même plaisir qu'ils ont eux de me voir parce qu'on se connaît pas. Eux me connaissent, mais moi je les connais pas. Mais bon, ouais. De là à leur tirer dessus, je sais pas. J'espère nous tirera pas dessus, tu vois. Ok. Alors. Ah, même le titre aussi, je veux dire. Ouais, du coup. Voilà, oh, oh, oh. Calme. Je vous mets des petites. Plus on a un gars là, un type qui lui met des pressions à chaque début de son. Vous n'êtes pas prêt. C'est Léa. Ah ouais, dis que c'est Léa. Alors, c'est le début d'album. Voilà. Ouais, c'est vrai que. Et finalement, c'était sympa. C'est Léa. C'est Léa qui est passé à Pattaya. Donc le son s'appelle Rituel. Ok. Alors là, est-ce qu'on va partir dans des bails encore plus démoniaques et encore plus sales? Je pense que j'ai appelé un imam pour qu'il vienne bénir dans les fonds appartement à la fin de cette écoute. Là, ça commence à être trop. J'ai envie de dormir tranquillement ce soir chez Wam. Let's fucking go. Chaque mot est pensé pour compter quatre là. Voyage plus assez à chaque putain de marque. Un chat n'a pas marre de toi, je m'attends des marques de toi. Chaque fois que tu l'ouvres, ça ne me marque pas. Pris, j'ai mis la vie sur l'enfer, j'ai mis ma vie sur l'enfer. Chaîne, la suite est l'éden. 6-6-6-6 sans la belle vénère. Dans la gloire ou l'échec. 6-6-6-6, 0 sur l'échec. Nique à la longue, quand tu niques à la longue. Mise à la longue, tu es, je suis à l'avant. Suis la cadence, suis la cadence. Je suis dans le cadre de tout. Gros. Val est le meilleur rappeur en France. Ah oui, non mais gros, sur le deuxième couplet là, c'est God MC, gros. God MC avec les si. Allez, quand il repart comme ça, gros, c'est fini, gros. Non, c'est... Attends, juste on me la porte. Non, mais voilà, c'est. Après, tu vois, Sirius, il a fait le taf, hein. Je veux pas me manquer de respect, mais tu mets un SCH dessus, gros, c'est un classique, gros. Val des SCH, est-ce qu'on peut faire ça ou pas? Ouais. La vie de ma mère, gros. Est-ce que la connexion est possible? Parce que je l'aurais tellement vu là-dessus, gros. Tellement vu. Avec ses. Oh, c'est vocal là. Mais là, mec, franchement. Ouais, non, mais. Val, je vais te dire. Techniquement, gros, c'est. Je veux dire, gros, c'est grandiose. C'est grandiose ce qui se passe, gros. Ce qu'il a fait, gros, c'est grandiose. Le travail avec Sizi,
c'est incroyable, gros. C'est, on atteint. En fait, t'as l'impression, genre, c'est trop facile pour eux, gros. Ils sont dans un univers et ils s'amusent, gros. Mais quelle époque on vit. Plus comme il est. Oh, c'est un classique, hein. Gros, l'album, là, c'est un classique. Ouais, et en plus, putain, mais genre, la line quand il dit, ouais, il regarde le JT, mais il veut pas croire en la magie. Ah, cette line, elle veut tellement dire de. Parce que voilà, l'actualité, tout ce qui est fake et tout, mais genre les gens ils veulent pas croire quand on leur fait des illusions, mais pourtant ils regardent le JT, plus c'est, ouais, plus les c'est paroles, tu vois. Plus c'est gros, plus c'est crédible. C'est, ouais, c'est mec, ce ah, type est trop. Mais mec, tu vois, là... Ce qui est bien, c'est qu'il garde ce truc là qu'il a, tu vois, c'est qu'il dénonce des choses sans être engagé. Oui. C'est pas du tout un rapport engagé, c'est juste qu'il dit ce qu'il pense. Il s'en bat les couilles de la politique, mais il tire, tu vois. Ouais, il tire. Comme il disait Yann, c'est vrai que ça fait beaucoup penser à Blade Runner sur l'instru. Ouais, Blade Runner. Ah voilà, futuriste. Ah, très très. Et puis ce tic tout au long de la prod. Mais Sizi, genre, mec, qu'est-ce qui s'est passé là? Genre, quand t'as fait les instrus. Mec, avec Dre au studio. Non, mais. J'ai le fou. Ouais, t'étais sur le yacht de Dre à Hawaï là. Non, mais franchement, il s'est passé quoi, Sizi, entre l'année dernière, tu vois? Mais lui aussi, il est parti dans la salle de l'esprit. Ouais, gros, ils sont allés les deux. Mais qu'est-ce que tu étais à deux, parce que sinon tu deviens fou quand tu es tout seul. Non, VGS, il arrive à y aller tout seul. Ouais, mais il est resté 6 mois. Il passe un an. Ah, c'est vrai. Mais dans DBS, on sait pas combien de temps il est resté. Ah, ouais, mais dans DBS, c'était bête. Bref. C'est grand duo. Non, mais franchement, mec, là, les instrus, moi, je... Tu vois, on disait encore cette année, c'était une année où le rap français au niveau des instrus est clairement presque arrivé au niveau des caries, tu vois. Ouais, bah oui. On est au niveau. Voilà, on est carrément au niveau. Genre là, je suis désolé, mais Sizi n'a pas du tout à envier quelconque beatmaker américain, surtout qu'il fait ça avec sa patte. Ouais. Tu vois, tu ressens que c'est Sizi. Intelligent de ouf. Et pourtant, il se diversifie sur ça. Il y a des sons. Attends. Rien à ajouter ? Ah bah là, je vais commencer à être à court d'arguments. Je dis grand chose. Classique. Magistral. Magistral. J'ai un dictionnaire des synonymes. Ouais, 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 ouais. Ouais, 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 ouais. Ouais, ouais, ouais. Ça, on a la version 320. Je ne suis pas un écrivain. Je suis plus qu'un esprit saint. Je multiplie les types. Je ne l'appelle pas chez quelqu'un. Je tiens juste à dire, le dernier album que j'ai acheté en physique, parce que moi je suis un putain de téléchargeur, c'est 30 tonnes de Dre, et je tiens à dire que je vais acheter l'album de Val. J'ai pas acheté d'album depuis quasiment 3 ans, et je vais l'acheter celui-là. Mais quand t'achètes sur internet, tu télécharges légalement? Je n'achète pas sur internet, je télécharge illégalement. Voilà. Le stream aussi, je m'appelle Assassin, mec. Non, par contre, je voulais juste dire un truc, j'attends énormément la vidéo de Killuminati sur l'album. Oh bah lui il va se faire appeler. Parce que là, avec tout ce qu'il balance dedans, ça va être quelque chose. On voulait parler du sequencing. Ouais, le sequencing en fait de l'album, il est très important parce que ce son là il passe tellement bien dans le flux de l'album. Tu vois, j'aime bien comment il a dispatché en fait ses sons un peu mélodieux. Il en a laissé 3-4 très sombres, après il a mis une petite couleur. On est reparti sur du sombre et là il met des accordés, tu vois. Donc ça donne du rythme, ça donne de la couleur à l'album et puis on s'ennuie pas en fait. C'est bon ? Ok, donc 10e son de l'album. Ah, c'est Sirius qui prend. Gris, donc. Produit par Sirius. Yes. Qui était en featuring sur le morceau. Et tu es. Et voilà. Ça suit ? Tu suis ? Oh mec ! C'est un sniper qu'il avait mis sur Insta. Mec, il est trop lourd ce morceau. Bébé m'en veut
pas, j'ai autre chose à foutre que t'envoyer SMS. Qui devrait pas y être comme attrape le CRS. Bruh. Ah mais gros, faut faire des trucs comme ça. Ouais, tu vois, je vais m'appeler, je me dis. Pas trop fils. Chaque pile en désastre, sauf des verres les astres. Ouais. J'en pile les affres, du genre tu mets l'affre. Mais vocal là, c'est là. Ouais, je disais qu'on était sur de la caviar musique, donc c'est quelque chose de très agréable à écouter avec, mais vraiment, tu vois, des highlights sur la plupart du morceau, tu vois. Quand il dit tu voulais l'amour, mais t'es allé aux putes, ça c'est lourd. T'as trop de phases, tu vois, qui... Ouais, c'est surtout quand il dit, ouais, je suis égoïste, je pense pas aux SDF qui vont pas passer les gars, ouais. Tu vois. Parce que du coup, le mec, tu vois, encore une fois, je disais, il lâche des messages, mais sans être moralisateur. Toi, lui-même, il dit que c'est un putain d'égoïste et qu'il s'en bat les couilles des SDF, tu vois. Et c'est ça, mais ça te marque quand même et ça te fait réfléchir sur le truc. Et là où il y a quelque chose de nouveau dans les textes de Val, c'est son rapport avec la fame. Quand il dit, ouais, fais pas bluff, tu veux taper la causette, tu veux juste un selfie, une dédicace, gros. Et tu vois, ça me fait penser à quand Eminem, il a sorti Marshall Mathers LP, gros. Tu vois, dans le clip de The Way I Am quand il est persécuté, tu vois. Et ça, c'est nouveau parce que Val, il avait pas connu le succès avant. C'est Agar, enfin c'est 2017 où vraiment aux yeux du grand public, il a commencé à répéter. Ouais. C'est clair. Quand t'adaptes, voilà, ton état d'esprit avec les textes. Ouais, quand t'es en phase. Avec phase. Et... artistiquement et humainement, enfin. Mec, ce son, c'est un classique, gros. La prod, ah oui, est-ce qu'on peut parler quand même de la prod qui est astrale? Non, mais je te dis, le mec Sirius, clairement, c'est vraiment un putain de reptilien qui vient de la constellation, tu vois. Lui, il a fait ça sur une autre planète. Eh gros, quand il dit les étoiles filantes, t'es pas dans les... Il était dans le vaisseau d'Albator, frère. Eh, mais quand on va écouter ça au casque, oh, en voiture, frère, la nuit. On va bientôt partir à Bruxelles, on part pas de nuit, on va avoir un accident, les gars. et puis, faut dire quand même, c'est une prod de Sirius, donc qui est hors saisie. Mais gros, mais ça garde encore l'atmosphère. C'est ça qui est fort. Je pense que Val, tu vois, genre même s'il avait, il a eu des prods d'autres personnes, il a bien fait en sorte de garder cette homogénéité au niveau de l'ambiance. Ça garde le fil conducteur de l'album, gros. Et ça, quand tu fais des trucs comme ça, bah au final, tu fais en général un classique. C'est conceptualisé au niveau de la production en plus. Ouais. Ouais, oh, bah oui, non, mais là, gros, c'est un classique, gros, de toute façon. Bon, je sais que les sons qui restent, là, ça va être des tueries, gros. Ouais. Donc, il peut pas se permettre de mettre de la Zumba ou des trucs dégueulasses. Et attends, et oui, on n'a pas parlé du vocal. Le vocal, là, qui prend sur le refrain. Tu vois tous les Jaja et Dinas qui font de la merde, là. Avec ce vocal, ils en abusent, on dirait des chèvres. Mais gros, là, mais voilà, il vous a donné une leçon en plus. Les mecs du quartier qui savent pas rapper. Bitch. Du coup, prochain son, c'est le 11e, Réflexion Basse. Je trouve ça quelque chose à voir. Pourtant, j'aime pas les taxes sur les albums. C'est des par des entités qui vivent de très bas. Mes anges, mes démons qui s'embrouillent, je peux pas suivre le débat. Je me consus la bite juste à très bas. Conserve le repas avec du shit très gras. On estime de moi-même en guide aux états. Pour la plupart, c'est trop mal, je suis phénoménal. L'argent tombe pas du ciel, mais quand jette mon oseille, frère, un boule, mes mauvais plans. Putain, devenir connu, gros, c'est pas le mauvais plan. Même sans amis, j'ai l'impression d'être du mauvais. Quand je peux plus rire aux éclats, trop d'inconnus qui fixent mes pas. Si mes désirs changent, faudrait quand même qu'un jour j'arrive à bien m'aimer. Même moi je me regarde et je viens pas m'aider. Est-ce que c'est moi que tu suces ou c'est VALD? C'est vrai que je me prends la tête pour des futurs. C'est dans la même équipe, 5 ans qu'ils nous connaissent à peu près. Comprennent pas ma génétique, sans corps égarer ma recette. Parfois ça me blesse. À la moindre occasion, je redeviens le fou, le petit con, le drogué, c'est rien. Mais certains, mais quand j'achète, ça fait bosser les petits. Réaliser, ça fait charmer les flics. Je veux marquer l'époque, je me fais du mal, plus souvent que des potes. Si au micro j'ai des potes, c'est un même que des plus. Ou parc d'anneau, j'ai l'air talk. Eh oh, je vais avoir un album dans 3 jours, quand est-ce qu'on va enregistrer le foot?
Ouais, c'est une mise en scène. Donc t'as... Ça fait penser à ce qu'il y avait sur Uragarta. Bah grave, bah strip. Ouais, strip. Clairement, c'est un son du même format, tu vois. Donc il scénarise le truc. Alors, en gros, c'est Val qui rentre dans un bar. D'ailleurs, le barman, c'est Tunisiano, le manager. Et voilà. Il musique lounge et tout. Il s'alcoolise au fur et à mesure des verres. Et bah, il est complètement bourré. Donc moi, je peux relater, forcément. Et à la fin, il se retrouve dans la merde. Parce qu'il doit rendre l'album et il a pas le feat, donc ouais, c'est un son qui est lourd. Après, c'est vrai que tu vois, au niveau de la prod, là, on est un tout petit peu moins fit par rapport à l'ambiance. C'est un... ça... Mais quelque chose sur... C'est plus léger. Ouais, c'est on plus sent léger. Moins la lourdeur de l'atmosphère qu'il y avait avant, tu vois. T'as moins les gros snaps, hein. C'est vrai que ça... Je sais pas si ça rentre dans l'ambiance, mais c'est un tout petit peu en annexe, quoi. Après, je trouve que c'est vraiment un son de deuxième, troisième écoute. Ah oui, là ça, c'est dur. Ouais, c'est genre, en fait, il se libère avec l'alcool. Donc, ouais, il se libère de où ? C'est plus du tout normal. Là. À la patte sur la légalisation, là. Bien vu. Là, franchement, il cale bien encore ses punchs et tout. Après, faut vraiment réécouter. Excusez-moi, douzième son, donc c'est Offshore avec le deuxième featuring. Succon. Blazadé. Yes. Attention, ça rappe, hein. AD, il est chaud. C'est quoi cette annonce? Attention, ça rappe, hein. Mais quoi? Allez, ça rappe. Ça m'envoie une vie. Je suis chaud, mais oui, bon. Putain, qu'est-ce qu'on est là? Elle va me tourner là. C'est un moment classique, ça. De toute façon, j'ai les mains liées. On me considère comme un allié. Les arabes, apocalypse en vue. Tout le monde va y passer. Les morts et dans les arabes. Partout la ville dans le fût s'agit devant la dernière vidéo de Lizard. Hey, Michael. De la street n'avait pas été de la portée de ses matraques. Vu comment le monde est bon, petit, vu comment le monde est bloqué. La foi, tu viens battre tes sorts. Si t'as pas la foi, tu veux laisser ton monde. Y'avait pas que le chef dans le présent, dans le monde. Vu comment le monde est bon, petit, je n'ai que le temps des pros, je suis dans un constant des pros. Je suis comme une plateforme offshore. Je t'enchaîne, tu souffres et vomis, tu pétroles. L'industrie voudrait une forêt, ça me désole. Quand il me parle, je me branle comme à l'école. Je suis dans le vaisseau, dans les airs, loin des hommes. Le char, ton point de vue est biaisé, validé, biaisé, balayé, baisé. Regarde, arrivé les requins, j'ai dit de qualité dans le cabinet. Mon dieu, et franchement, gros, Succon Blaze AD, comment il a trop fit sur le son. La odd, mais ce son c'est un banger, tu vois, assez mielleux, assez genre planant, tu vois. Et sa voix, comment elle passe trop bien dessus. Et il a plongé. C'est enrobé. C'est enrobé, ça me fait penser un peu à Vitrine. Tu sais, au niveau de l'ambiance. Ah, justement, tu sais, tu dis ça, je pense, dans ma tête, je me disais, tiens, Damso aurait bien posé aussi la tête. De ouf, mec, c'est un peu la même ambiance qu'ils ont voulu. C'est un peu le même thème musical, mais du coup, adapté à un truc un petit peu plus horreur. Parce que tu sens comme c'est quand même assez sombre. Ah, ouais, bah, ça parle du Cheta, des fois, oui. Et juste Val, le mec, alors c'est même pas. Oui. Alors, Val, c'est même pas, il change de flow et de vocal sur un son. Maintenant, il le fait sur un couplet. Ah, non, mais maintenant, le mec, il diversifie sur un couplet. Mais de toute façon, il a un flow différent sur chaque son. Ouais. Tu vois, et c'est à ce moment-là que tu deviens un God MC en fait. C'est quand bah, t'es intouchable. Ah, que tu passes en Super Saiyan God. La punchline, faut que j'arrête de percer, ça m'isole. J'ai que des amis à Capitole. Mais mec, vas-y, gros. Il a un recul sur la fame qu'il a acquis récemment qui est super bonne et super intéressante à écouter en fait, tu vois. Et bah, cette prod de Sizi, juste. Non, mais oui, après Sizi, moi franchement, là, ça devient plus. Voilà quoi. Et puis il est jeune, Sizi. Je crois qu'il a 18-19 ans, là. Si je me trompe pas, alors peut-être j'ai une connerie. Hein. Bon, c'est quoi du coup? Voilà! Oh là! La prise de risque, alors. Oui! Prochain son, ne me déteste pas. Oh là là! Moi ça me fait penser à dans Dernier Vert quand il dit je sais qu'elle m'aime si elle me déteste. Je t'en prie, on déteste pas. Je t'en prie, on déteste pas. Je t'en prie, on déteste pas. Le temps file. Oh là là là, dernier verre.
Ah, c'était l'interlude, hein. Ouais, c'est l'interlude. Oh merde, je pensais que c'était le son, gros. Oh là. Dans un BNB, proche de Paris-Cher. Je reviens de l'oxygène, contre carré sortilège, contre son shorty beige, je contrôle son logiciel. Élevé au ciel, j'ai jamais vu la vie aussi belle. Étoile dans les yeux, mais c'est pas les bons, qu'à l'hôtel sont fidèles. Quand t'es en plus grand, tu es, j'apporte mes coups de bête. Mais pas ta bête, tu te défies. Val, si tu m'écoutes et si tu me regardes, je veux que ne me déteste pas sur un son complet. J'ai besoin de ça. Je veux pas 30 secondes d'interlude sur un son comme ça, je le veux en entier. Mais ouais, bonne idée d'avoir écouté les deux d'affilée du coup, parce qu'on change d'ambiance complètement. Mais ça qui est lourd, c'est que vu qu'il a mis en interlude, c'est un son qui a été assez doux. C'était en mode non, non, les gars, je vous mets 30 secondes de doux et après je repars dans le hard, tu vois. Genre, vous allez pas vous calmer, vous allez pas vous canaliser. Et ouais, comme tu disais, c'est un son qui est créatif. Créatif de balade, gros, c'est une ambiance trap, mais il veut faire. Enfin, il donne une couleur à l'instru. Franchement, j'ai archi pas capté ce qu'il voulait. faut réécouter. Mais j'aime bien ce genre de son aussi, tu vois, que tu peux redécouvrir plus tard à force de réécouter. Ouais. Mais en tout cas, là, pour le coup, ça cale vraiment dans l'ambiance, tu vois. Ouais. Là, c'est celui que j'ai le moins aimé de la zone. Ah ouais, Rockin' Chair. Ouais, mais c'est normal, parce que c'est vraiment que pas facile d'accès. Hein. En fait, on n'est pas prêt. Ah ouais, c'est un ovni le bordel. C'est un ovni. Mais ouais, c'est bien aussi d'avoir des tracks comme As, gros. Ah mais après quand on dit qu'on a moins kiffé, c'est genre ouais, voilà. C'est genre 8. Ouais voilà, c'est ça en fait. C'est déjà fait. Alors, ouais, comme t'as dit en fait, pour le coup c'est pas un mauvais son, c'est juste un son pour le coup où on voit qu'il a quand même un flow unique dessus. On l'a jamais entendu, on a jamais entendu ce flow là sur l'album. C'est un son ovni. Mais après voilà, c'est vrai qu'on a du. Enfin c'est facile, enfin c'est difficile d'accès du coup. Ouais. Clairement, c'est pas un son que tu vas écouter des. Ça déroute un peu en fait. Ouais, tu vas pas capter toutes les subtilités qu'il y a dedans et tout. Je pense que c'est un son à écouter au casque. Parce qu'il y a une production vraiment très. Non, mais je suis très spacieuse. Complètement d'accord avec toi. Du coup, on passe au prochain son qui est Dragon. Donc c'est le. Ah, c'est le feat avec Fianzo. Voilà. Avec Sofiane, donc le 93 Empire. Dragao. Allez! Ah, mais là on va en salle. Roule la drague, fume la drague, charge la drague, il est pépé. Roule la drague, fume la drague, charge la drague, fume 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 la drague, fume. Dragon Ball, tu fais dragon, il y a les dragons, c'est chaud, mais c'est chacun son rôle, je sache et je fume et je roule le dragon. Et je fume un dragon, et je fume un dragon, et je cherche le dragon, et je vise les deux têtes. Mais voilà, l'alchimie Sofiane Wald, elle est extraordinaire dessus. Les passe-passe, les vocales qui se mêlent et s'entremêlent. Mec, il l'a intégré dans son univers et c'est ça que j'aime, putain de merde. C'est que c'est pas juste un featuring, il vient, il pose son 16. C'est carrément, il interprète. Non mais tu vois, là, c'est un featuring où le mec est venu en studio. Il est venu en studio, ils ont fait ça ensemble, gros. C'est ça la différence. Et ça s'entend. T'as même Sofiane, mais gros, j'étais choqué de son vocal. Je me dis, mais putain, ça y est, c'est adapté. Là, je dis pas que ça adapte pas. Mais moi, je m'attendais à du Sofiane classique, tu vois, genre qui débite son truc. Mais non. Et c'est là. Et c'est là où ce est un album spécial. Bon, quand tu fais un truc comme ça sur un album, c'est que. Comment l'album derrière, c'est quelque chose. C'est-à-dire que le mec, il débarque, tu lui mets de l'atmosphère et il s'adapte.
et il rentre dans ton univers, tu vois. Il est possédé. Et c'est vrai que la prod, elle fait grave penser à Blanc. À Blanc, ouais. Mais en démoniaque et sous stéroïde. Avec du monster. Non, mais sous testo, Dianabol et tout. prochain son, du coup, 16. C'est l'avant-dernier son. Déjà ? Ah oui, déjà, mon ami. Oh. Deviens génial. Oh là là, le synthé! Oh oui, le synthé des années 80! Oh oui! Oh putain. Mais qu'est-ce que tu cherches, putain? Deviens génial! Deviens génial! Deviens génial! Deviens génial! Deviens génial! Dès qu'on va écouter. Non mais gros, le morceau en fait il est pour les festivals. Voilà. C'est parce que Val c'est un mec qui fait des festivals. Et voilà, il a voulu faire un son à Arsi Stadium, festival. Donc c'est vrai que là la prise de risque elle est là. Faut respecter. Après j'avoue que là j'ai vraiment pas accroché parce que ça me fait vraiment penser à du à Vichy. Non mais surtout la période de rap EDM aux États-Unis c'était 2011-2012 là. Ouais. Tu sais qu'on avait tous ces futurs, c'était chiant avec l'autre là, Florida et tout. Oui, oui. Après, comme tu me dis, le moment où ça monte en pression, c'est le feu, mais après t'as les drums et les kicks EDM et là. C'est un son de viking, tu vois. C'est un son pour les guédros, on peut vous le dire. Les kings, les guédros. Ah oui, c'est cassé, c'est le vidéo du viking qui marche dans la rue. Mais gros, c'est exactement pour ces gens-là. Voilà les festivals, gros, mais il y a plein de gens accrochés avec ce genre de son. Ah bah, clairement. Bon bah, on passe au dernier son. Trophée! Ça termine l'album en beauté. T'es gentil comme pain d'épices. Je caille. Régis, on descend, je suis sur la montée. Je serre la main, merci. Merci. Merci, champ. Merci Léa. Léa a une bonne pointe de main, je trouve. Ouais. Bon bah écoutez, c'était la fin de l'album, donc The de Vald. Est-ce qu'on fait le conclu quoi? Ouais, rapide quand même. Juste, moi ce que j'ai trouvé super intéressant, c'est qu'il a pas du tout voulu faire quelque chose qui ressemble à Agartha. Ça n'a rien à voir avec Agartha, il est beaucoup moins fruité et édulcoré que pouvait l'être Agartha avec Ma Meilleure Amie, ah oui. Avec Je T'Aime, oh oui. Toi, y a ce qui est... Parce que tu te dis, à la limite maintenant qu'il est beaucoup plus connu, c'est là où il allait faire un album plus facile d'écoute.
tu vois, tu peux te dire qu'après Agartha, maintenant qu'il a explosé, entre guillemets, il aurait pu faire un truc qui est plus facile d'écoute. Mais là, non, en fait. Il a fait un truc qui est encore plus difficile à écouter pour un listener lambda, tu vois. Genre là, il est encore plus restreint sur l'univers, mais il est plus riche. C'est ça qui est fou, c'est qu'il est plus riche. Il a step up son game au niveau des vocales, au niveau des flows, au niveau des ad-libs derrière. Tu ressens beaucoup plus d'ambiance. Il y a beaucoup plus de couches différentes sur les sons. Les prods sont incroyables. Cet album est un putain d'instant classique. Voilà. Putain, des mecs, je dis ça. Gros, l'album, il est exceptionnel. Voilà, je pense qu'on en est là. C'est-à-dire que Val, il a su faire quelque chose qui est propre à son univers. En fait, il a travaillé sur son univers sans partir, comme tu as dit, dans tous les sens. Par exemple, sur Agartha, où il y avait des prods très diversifiés, très variés. Musicalement, là, c'est très homogène. Même les sons qui se veulent un peu single, radio-friendly, ils sont sombres, tu vois. Et au fur et à mesure de l'album, en fait, l'album commence vraiment de manière très sombre et finit avec des couleurs un peu plus, sur une note un peu plus joyeuse, plus festive. Et c'est vraiment bien foutu, surtout au niveau du track listing, au niveau du sequencing. Il a dispatché vraiment les sons au bon moment et ça, il y a un très bon flux. Très bon apport des featurings, je pense à Sirius, je pense à Sofiane et à celui qu'on blasadé. Vraiment, ils ont fait le taf de malade, c'est le casting parfait pour l'album. Bon, moi, j'aurais espéré un SCH sur le morceau avec Sirius, mais voilà, la perfection n'existe pas. Pareil sur l'album, du coup, que je trouve vraiment exceptionnel. Il y a qu'un déchet, bordel. Il n'y a vraiment qu'un seul déchet. Et dire ça pour un album français en 2018, on en est un niveau de... Enfin là, clairement, encore, tu vois... Ouais, un déchet, c'est vrai. Enfin, un déchet, oui. Oui, oui, non, c'est pas... Moi, en tout cas, voilà, je trouve que... Certains n'ont pas... Genre. Voilà, je trouve que le son n'a rien à faire là, clairement. Après, il se veut aussi en apothéose, tu vois. Vu on est parti du fond de la terre et on sort au niveau du ciel, tu vois. Donc, c'est l'inverse d'Agartha. Ouais, mais c'est un peu, mais il aime trop ça, lui. Parce que t'étais en haut, tu vois. Il aime faire vraiment des choses contrastées comme ça au fur et à mesure de l'album. Et d'ailleurs, comme ce que je disais au début, c'est que le décalage entre la cover de l'album et l'album en soi, du coup, c'est ça. C'est extrêmement sombre, mais c'est la cover et... Au niveau des performances, gros step-up de Val, j'en ai rien à foutre. Alors, sur Agartha, elle était incroyable, mais là, c'est God MC, clairement. Des punchlines, en veux-tu, en voilà. Des highlights sur tous les sons, des cadences, des variations de voix, l'acting, des vocales, des hooks, les refrains, les gars, le refrain là où il vous imite, là, en train de rapper en bas de votre tête. C'est fini, gros, il vous a tué. Et voilà, Val, tu as sorti un classique, là vraiment, tu vois, Agartha pour moi, il n'avait pas encore atteint ce niveau. Ah gros, c'est un instant classique, première écoute. Classique, première écoute classique, et ça va être un classique qui va sur le temps. J'espère vraiment qu'il va faire une grosse tournée. Allez l'acheter clairement. Alors du coup, dites-nous vous ce que vous avez pensé de ce nouvel album de Val. Surtout ceux qui le suivent depuis très longtemps, l'évolution, parce que là c'est clairement un step-up de malade. Est-ce que vous attendiez ça? Est-ce que vous êtes déçu? Est-ce que vous êtes surpris? Est-ce que vous avez exactement ce que vous vouliez? Dites-nous aussi ce que vous avez pensé de la vidéo, toujours dans la description. Bien sûr, n'oubliez pas, l'aventure Amine Hugo se poursuit sur les réseaux sociaux. Amine Hugo, Snapchat, Twitter, Facebook et maintenant Instagram. Pour celles et ceux qui veulent continuer à me soutenir financièrement, la page du Tipeee, parce que je tiens à acheter ma Patek Water avant la fin de l'année. Et moi aussi. Mais aussi, cet enfoiré. Il veut capitaliser, cet enfoiré. Allez, prenez soin de vous, à une prochaine écoute. Peace.